Na moment secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres a travaillé en consultation avec le gouvernement haïtien pour décrire ensemble options soutien Nations Unies qu'a fourni pour améliorer la situation en matière de sécurité en Haïti. Gros réflexion a fait bon côté quelques spécialistes parmi eux ancien colonel Imler Ribi sous importance ou pas yon force internationale dans le pays d'Haïti. Moi même comme technicien sur question je pas pensé c'est nécessaire pour une force qui vient débarquer là. Parce que force là elle vient qui ça l'a fait. Là fait deux trois et maniguette tout le monde dit pour apparemment à le cacher. Et puis, il a fait élection, même bandit, au bras, là, élection, il a fait, pour y'a mettre moun, même bandit encore. Et puis après ça, nous retombons dans le même problème, là. C'est quand vous êtes malade, vous avez, au lieu de résigner, au docteur, et puis, ou a prêté, t'y fait, mais c'est pas même un bon docteur, fait, qui m'a si vous avez prêté, fait, qu'a bouillé beaucoup. Colonel Imler Ribi, fait qu'on est, l'est pas important, pour y'a une force étrangère, vin dans pays d'Haïti. Nous-mêmes nous dit problème qui gagne là, li gagne solution. D'ailleurs, nous c'est menti y a bail. Le bracalé a commencé. Vous devez vous battre dans une situation t'a chargé au bandi pour faire remettre pas ta brûle. Donc ça veut dire que ni communauté internationale là, ni municipalité ouais que problème nous quoi pas gagne solution, li gagne solution en dans pays a même. Maintenant qui ça population demandé. Li demandé pour la police. Donc, l'État accompagne pour le cap mettre bandits hors d'États-Unis, qui est difficile, nous, pas résoudre là. Pendant ce temps, Premier ministre Ariel Henry dit l'aptan avec impatience une force militaire robuste dans le pays d'Haïti pour aider la police haïtienne éradiquer gang amio qui pas jamais suspend, fait s'encouler dans le pays. Oui, dans tout ça, pour VOA Creole, Port-au-Prince.